Nous vous invitons à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, Père d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de joie. Mais avec des cœurs qui sont avides et nous avons soif de ta parole. Ensemble, nous sommes venus pour te louer et te glorifier. Et reconnaissant, nous sommes d'avoir cette occasion à nouveau de chanter ton saint nom. Chantez combien tu es grand. Combien tu es fort. Ton amour nous dépasse toute notre compréhension et imagination. Ta présence est toujours là. Nous sentons comment ta main nous conduit à travers toute situation. Et tu ne nous abandonnes jamais. C'est toi le plus fort. C'est toi qui sais faire toutes choses. C'est toi qui aimes le plus. Qui pardonne le plus et qui nous démontre constamment ta grâce et aussi ton amour. Nos cœurs pleins de reconnaissance envers toi. Parce que nous voyons comment tu interviens. Et nous sommes heureux d'avoir cette occasion ensemble pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour l'un et pour l'autre. Tu nous as répondu à nos suppliques, nos prières, nos désirs. Parfois exprimé formellement en prière. Parfois c'était un souhait qui vivait en nous. Mais tu écoutes et tu vois. Merci pour la protection que tu nous donnes. Pour ton œuvre, pour tes serviteurs, tes servantes. Pour chacun de tes enfants. Merci pour chaque frère et chaque sœur. Merci pour n'importe comment balipe moi signonso. Pour l'amour qui démontre envers toi. Bon abolingo, oh bazali kola qui se paye na yo. Que tu nous as mis ensemble sur ce chemin. Bon a été au pesibiso banso lisanga ya kozale longo na nzelo. Nous amène en communion éternelle avec toi. Bon zali kome mabiso na bon moko ya seko na seko na yo. Nous avons l'occasion de mettre devant toi aussi nos soucis. Dans une ressource nzela kote au boso na yo ba posa na biso. Nous avons l'un ou l'autre qui a perdu un bien-aimé. Nous perdons des serviteurs, des servantes. Nous prenons aussi cela de ta main. Donne consolation et force. Renouvelle la joie. Aide ceux qui sont malades. De corps terrestre ou bien d'esprit. Ceux qui sont affaiblis, du point de vue foi, que tu puisses donner la force. Là, nous pouvons être aussi des utiles en ta main. Nous prions pour la sagesse. Pour nous tous en ces moments. Pour les autorités, accorde-eux l'aide qu'il faut. Et qu'à travers leurs conseils et leurs consignes, nous pouvons trouver la voie de sortie. Sois avec notre apôtre patriarche. Nous voulons être un avec lui. Permets maintenant ta parole qui vient que de ton esprit. Que nous ne pouvons pas écouter les pensées d'un homme.
Nous cherchons à être aussi en communion avec nos biens, mais dans l'au-delà. Qu'ils puissent comme nous souper ici à cette table. Tant plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble. Nous voulons vous souhaiter cordiale bienvenue. Et nous souhaitons aussi que nous tous puissions être fortifiés. Pour ce matin, nous avons un texte biblique tiré de Matthieu, 28e chapitre, les versets 19 à 20. Pour nous, nous avons dit que 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 nous avons dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bongo, bokende epai ya bato ya bikolo nyonso, pe bokomisa bango bayekoli na ngai. Bobatisa bango na kombo ya Tata, pe ya Mwana, pe ya Molimo Mosantu. Bolakisa bango batosaka mitindo nyonso na pesaki bino. Boyebe ete nazali na bino mikolo nyonso tina suka ya mokili. Jusqu'à la première place, la chorale peut nous chanter une cantique. Kino awa bovanda bayembi bakoko embe la biso nzembo. Tout est Dieu, viens aller voir. Tout est Dieu, viens aller voir. C'est des sources qui fécondent. Bien-aimés en Christ, chers frères, chers sœurs. Balinga mikati na Kristo mibali pe basi. Chers invités, ceux qui se joignent à nous peut-être pour la première fois. Bapa ya na biso pe ba oyo tango mosusu basangani na biso mbala ya yambo. Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir cette occasion de partager ces quelques moments. En dépit du fait que nous sommes séparés l'un de l'autre, que nous ne pouvons pas formellement partager le service divin. Atako toyebi lolenge makambo ezoleka tozali akokabwana pe tokoki te na lolenge esengeli kosangana na losambo. Au sein de nos communautés, à la maison, na kati ya masangana biso to na ndako, le Seigneur répond toujours à ceux qui ont soif. Kolo azali koyanola tango nyonso na ba ebazali na posa. À ceux qui ont faim, na ba ebazali na nzala. Par un pain qui vient du ciel. Na lipa oyo euti na likolo. Nous sommes reconnaissants techniquement que nous ayons cette occasion. Tozali na botondi na makoki oyo apesi biso lisalisio. Mes chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à chacun d'entre vous. Bandeko mbali pe basi tozali na botondi pa moko na moko kati na bino. Pour votre soutien et votre aide pendant ces moments. Bona lisungi pe lisalisi na bino na eleko oyo. Pour l'amour que vous démontrez. Bona bolingo oyo bozali kolakisa. Que vous soyez obéissants, que vous respectez les consignes. Bozali na botosi pe bozali kotosa mitindo. Et que vous démontrez une certaine force pendant ces moments. Pe bozali kolakisa bokasi moko na eleko. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous garde ensemble. Botikete nzamba pambola bino mingi pe bakobatela biso lisanga. Nous voulons développer ce texte que nous avons reçu pour cette journée. Tolingi to lobela mokanda oyo totangi na mokolo ya lelo. On peut dire c'est l'ordre de mission que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde connaît les ordres de mission. Ici, c'est un ordre de mission à l'apostolat. Mais pas seulement réservé aux apôtres. Aux frères de ministère qui sont en connexion.
À chaque membre qui cherche aussi cette connexion. Nous prenons cette ordre de mission et nous proclamons. Le monde connaît aussi ceux qui essaient de partager le message. Nous avons tous connu ou entendu parler de ceux qui se mettent dans les autobus. Des prédicateurs qui se mettent à prêcher l'évangile ou une doctrine. L'assistance, l'audience est un peu captive, ils ne peuvent rien faire qu'écouter. On ne veut pas même les faire taire de peur qu'on va dire, ah, vous êtes contre Dieu ou contre Jésus. Ils peuvent prêcher pendant tout le voyage de Kinshasa, parfois jusqu'à Kikwit. Je ne sais pas si ça donne le résultat escompté. Parfois, les gens qui quittent l'autobus en ont assez. Et si après vous parlez de Jésus et l'évangile, il dit, ah non, je viens d'écouter, j'ai les oreilles pleines. C'est pas pour critiquer, ils essaient de faire du bien. Mais tout est dans la technique. Si on peut décortiquer la mission. Numéro 1, allez. C'est ça qui est important. Il a dit ça aux apôtres. Et ce n'est que ceux qui sont en connexion intime avec l'apostolat. Guidés par l'esprit que cela peut marcher. Allez où? D'abord, pour que ce soit efficace, il faut d'abord aller en profondeur. Et chercher à creuser pour comprendre mieux la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, son enseignement. Et là, il pouvait avoir une efficacité dans ce qu'il disait et prédiquait. Allez veut dire aussi avoir un contact personnel. Certains disent que ça c'est le travail de l'église. Il faut faire la publicité, un pub, ça suffit. Mais pour faire un disciple de Christ, une publicité à la télé ou ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut un contact personnel. Un partage de paroles, un partage de mode de vie. Vous allez dire drôle de message pendant un moment où tout est personne est demandé de faire la distanciation sociale. Non, nous respectons ces consignes. Mais nous cherchons à partager avec ceux avec qui nous avons contact, notre famille, nos voisins. Il y a des réseaux sociaux par lesquels on peut partager. Le téléphone, les SMS, toutes les voix sont là pour faire ces moments. Nous ne voulons pas utiliser ce moment comme des excuses pour dire maintenant je n'en parle pas, Dieu n'a fait pas les moyens pour que je puisse le faire. Nous redoublons les efforts et c'est plein d'exemples ce que nous voyons un frère ou des sœurs ce qu'ils font pour transmettre la parole. Transmettre la joie, transmettre l'amour de Christ. Transmettre l'enseignement. En deuxième lieu, c'est marqué, allez où? À toutes les nations.
C'est-à-dire partout. Nous sommes reconnaissants aux parents et ceux qui se sont donnés afin que l'œuvre soit établie partout dans le pays. Village en village, ville en ville. Afin que toi et moi, nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas. En Marc 16e chapitre, verset 15. Cette mission a une autre formulation. Et allez dans toute la création. Et là, nous pouvons voir toute la création, toute la population. Toutes les composantes, ce que nous voyons autour de nous. De ne pas être limité par un groupe ethnique, de ne pas être limité par une culture. Ou une classe sociale, que oh, les riches n'ont pas besoin, on va aller aux pauvres. Ou à ceux qui ne sont pas bien éduqués, parce que les suréduqués, là, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous limiter. Nous allons à toute la création. Parce que tout le monde en a besoin. C'est ainsi que notre Seigneur ouvre le chemin pour chacun. Ça prend un peu de courage, ça prend une certaine guidance par l'Esprit Saint. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à ceux qui nous connaissons. Regardez la communauté. Et regardez ceux qui nous entourent. Est-ce que notre communauté reflète la composition de ceux qui nous entourent? Ça doit avoir plus ou moins la même composition. Et dans notre communauté se trouvent des riches et des pauvres. Ceux qui sont plus éduqués, ceux qui sont moins éduqués. Toutes les groupes, toutes les ethnies, on n'a pas d'interdit. Cet enseignement est universel. C'est ça notre désir de ne pas se limiter. Et comment le faire? Pas avec des fausses promesses. Parce que souvent on utilise cette technique. Pour ceux qui sont pauvres, on demande, oh, voyez, suivez le Seigneur, il va vous aider, il va vous faire riche. Ceux qui n'ont pas d'enfants, oh, le Seigneur va vous donner. Vous êtes malade, le Seigneur va vous guérir, suivez-le. C'est pas ça qui va faire des disciples. Le Seigneur, il avait beaucoup de disciples, ceux qui le suivaient, entre guillemets. Et nous pouvons lire en Jean 6, vers le verset 66. Jusqu'où ils l'ont suivi. Et à un certain moment, un par un sont partis, ce n'étaient pas des vrais disciples. Ils cherchaient autre chose, ils cherchaient une motivation. Ce n'est pas par les fausses promesses. Ce n'est pas non plus par les menaces. Attention, le Seigneur va vous punir. Ça ne marche pas parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et nous connaissons ceux qui ne suivent pas les règles, parfois qui réussissent, ils sont heureux dans la vie terrestre ici. Nous voulons aller et pousser l'un ou l'autre à suivre notre Seigneur Jésus.
Tolingi ko kende pe ko sunga moko na mosusu baeba ko landa nkolo Yesu. Pas par force mais pour pas montrer le bon exemple. Na ko tindi kana makasi te kasi na ko la kisanda kisa ya malamu. Par une parole au bon moment. Na lilo ba esengeli ne le ko esengeli. En priant que ce soit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Petro ba ko sengeti ba ko zala na makanisi ya molimo mosantu. Et par cela nous sommes capable de les amener à suivre avec l'aide de Dieu. Notre Seigneur Jésus. Et le suivent par amour. Petit à petit, ils comprennent. Que Dieu est amour. Jésus est amour. Plein de grâce. Celui qui est patient. Yazali na motema monene. Celui qui est fort. Yazali na bokasi. Il a toutes les capacités. Azali na makoki nyonso. Il est humble. Kasi azali na komi kitisa. Et fait de eux des vrais disciples et y suivre. Pe bokosala na bango ba yekoli ya solo pe bakoyeba kolanda. Maintenant, la prochaine étape, baptisez-les. Pe teni mosusu ezali bo batisa bango. Par les sacerdoces, par le baptême de l'eau. Et pas à Nzambe libatisia mai. Par l'apostolat baptême de Saint-Esprit. Mais nous connaissons, ce n'est pas un rite, tout simplement. C'est pas la finalité en soi. Yango petende ezali suka ya makambo. Le baptême de l'eau, le baptême de l'Esprit. Libatia mai, libatia molimo. Ce n'est que le début. Yango ezali kaka ebandeli. Qui va permettre l'enseignement maintenant de prendre racine. Oye kopesa ete mateya eba kobota misisa. Que le développement se fasse maintenant. Bokole ezali sikoko salama. À l'image de Christ, nous le faisons par amour. Ne lilingi ya Christ tozali kosala yango na bolingo. Encore une fois, par menace. Lisusu ezali te pona bazali kobangisa biso. Par la recherche de notre chose. Pe te pona ete tozali koluki eloko moko boye. Et nous devenons à l'image de Christ. Petozaliko komane lilingi ya Christ. Nous aimons comme lui. Tozaliko linga lokola ye. Nous apprenons à pardonner comme lui pardonne. Tozaliko yekola kolimbisa lolenge ya limbisa. Nous vivons comme bien il est grâce. Tozaliko bika lolenge nini azali ngolu. Le baptême la Saint-Sélé. Libatisi pelika bwa molimo monsantu. C'est pas comme si on entre dans un club exclusif maintenant ça y est j'ai un je suis sauvé. Ce n'est que le début maintenant. L'Esprit est en nous, ça doit croître, ça doit grandir sous l'influence de l'Esprit. Molimo ezali kati na biso esengeli e ba kokola na kati ya makanisi ya molimo mosantu. Arrosé par l'eau de vie. Yango nde ezali kokola na bozwi mai ya molimo ya bomoi. Nourri par la parole. Pe ezali koleisa monzela ya liloba. Cela nous permet de développer. Wane ezali kopesa biso nzela ya kokola. Et là c'est bien. Là nous avons des disciples. Wane ezali malamu pe tozali kozwa ba ekoli. C'est pas comme ceux qui par crainte ou contrainte ou par force. Ezali te pa lokola ba ebazali na kobanga to ba bangisa mito ba tindiki na makasi. Mais quand cette compréhension d'amour est là, l'enseignement passe facilement. Kasi na boyebi oyo ya bolingo mate ezali koleka na pete. Et en amour, on peut faire beaucoup de choses. Na kati ya bolingo toko kosala makambo ebele. Comme toute maman. Lokola mama nyonso. Elle sait, avec l'amour, les choses difficiles deviennent faciles. A ebe tonzela ya bolingo makambo ya pasi ekomaka pete. C'est pas facile. Ezali petete. Nous savons en particulier pour notre jeunesse. Toyebi penza mingi mingi pona bilenge na biso. Être à l'image de Christ, enseigner, c'est pas vraiment à la une. Kozala ne lilingi ya Christ pe kote ya yango penza za makambo ya mikolo yote. Quand on essaie de se comporter bien, oh, les copains, les copines disent, mais vous faites quoi là? Tango elenge azali koluka zala ne tamboli. Vous êtes jeune, vivez votre vie et amusez-vous. Ozali elenge, c'est pela na bomo inayo. L'ordre de mission, c'est pour chacun de nous. Et tinda ya mosala epesami pona moko na moko kati na biso. Seigneur nous donne courage afin que nous puissions accomplir cette mission. Kolo azali kopesa biso bokasi po te toye bakokoki se tinda oyo. Par ces paroles qui suivent. Na maloba oyo elandi. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pe nazali na bino mikolo nyonso. Chers frères et sœurs, c'est une consolation pour nous maintenant.
Il est avec nous tous les jours. Azali na biso mikolo nyonso. Même dans la tribulation. Atako na bapasi. Même dans les problèmes. Atako na makambo. Le monde ou notre propre cœur veut dire, oh, tu as fait une erreur. Mokilito motema na biso moko koko ebisa biso yo penzo sali mabe. C'est pour cela que tu souffres. Yango wana ozali komona pasi. Ah, le pays a fait maintenant mauvaise chose, c'est pour cela Dieu a permis que le virus vienne. Mboke sali penzo loko mabe yango wana nzamba pesi nzela bokonweya. Et puis leur l'autre disent que Dieu nous a abandonnés pendant ce moment. Je n'ai pas bien travaillé, c'est pour cela que mon témoignage ne marche pas. Dieu permet des tribulations, Dieu permet ces circonstances. Parfois, tout simplement, de pouvoir continuer cette mission. D'être exemplaire dans la tribulation. De continuer à enseigner, de continuer à contribuer. C'est un grand témoignage. Nous connaissons tous cette sœur ou ce frère au sein de notre communauté. Il y a parfois beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais malgré ça, et dans la joie, continue à espérer, continue à vivre, continue à prier. Et elle sert pour nous comme un exemple et une inspiration. Dans notre tribulation, nous soyons aussi exemplaires. Nous soyons des modèles et images de Christ. Comprendre, ce n'est pas une punition. Mais c'est ce que Dieu permet. Nouveau pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Alors, chers frères et sœurs, nous ne faisons que ce que le Seigneur nous a demandé. Nous allons en profondeur pour la doctrine. Nous allons étudier aussi le milieu. Nous prenons contact dans la mesure de possible. À toute la nation, à toute la création. Pas avec menace. Mais en amour. Nous enseignons, il faut le baptême. Mais après l'enseignement, va plus facilement. Kasi nasima ya mateya ezali koya na pete nyonso. Il est avec nous pour toujours. Pe azali na biso po na seko na seko. Amen. Amen. Nous sommes heureux de tozali na esengo d'être ensemble ce matin avec notre apôtre Piana. Ya kozala na tongo alelo lisanga na ntoma na biso Piana. La chorale va chanter, il peut venir servir pour quelques moments. Bayembi bakoyemba ko koya ko sesa biso na mwa tango. L'amour de Christ est un amour parfait, par une demeure qui s'est dans la mort, dans la souffrance et dans les jours mauvais. L'amour vainqueur est lié et triomphe. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Balinga mimi bali pe basi katina Christo. Certes, nous avons un devoir ce matin. Ya solo tozali na iloko ya kosala na tongo alelo. Un devoir, c'est de remercier notre Père céleste.
C'est lui qui a permis que nous puissions vivre ce grand service divin ce matin. Au travers de son messager, on l'a entendu, on l'a vu. Dieu veille sur chacun de nous, chers frères et sœurs. Il veille sur toi, il veille sur moi, jour après jour, nuit après nuit. Liso na ye zali likolo na yo pe likolo na ngai mokolo na mokolo butu pe na butu. Et nous le remercions pour son incommensurable amour à notre égard. Pe tozali kotonde botondi pona bolingo na yo ezanga suka epai na biso. Lorsque on nous avait annoncé l'épidémie ici chez nous au Congo. Tango bapesaki biso sango ya bokono awe pa na biso na Congo. Et après on avait encore annoncé la fermeture de l'église. Beaucoup avaient des soucis. Et mille et unième questions s'est posées par-ci par-là. C'était là une rupture entre nous, les enfants de Dieu, et l'autel des grâces. Mais aujourd'hui, Dieu est miraculeux. Il a donné aussi la possibilité à chacun de nous d'être connecté à son hôtel. Kasi nzamba zali nzamba bikamwa lelo apesi biso nzela po ete toyeba lisusu kozala pene ya mesa na ye. Ce matin, il nous a enseigné encore. Na tongo lelo atangisi biso lisusu. Quand l'apôtre des districts parlait ici, tango ntoma district ya bandeko kolobawa, il a épinglé de la mission récit des apôtres auprès de, du Seigneur. Alobeli etinda oyo bantoma bazwaki epai ya nkolo. Et mais lui, il a très bien dit que cette mission nous concerne tous. Alobiango malamu ete tinda yango etali biso banso. En quelque sorte, ça c'est un ordre de mission que les apôtres ont reçu auprès du Seigneur. Tokoko lobalisusu ete yango ezali etinda ya mosala o bantoma bazwaki epai ya nkolo. Premièrement, aller. Yambo bokende. La parole là nous concerne. Liloba wana etali biso. Nous devons faire un effort pour quitter là où on était jadis. Pour changer notre attitude de vie, par exemple. La manière de vivre. Nous devons faire un effort pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur. Et aller pour évangéliser. Quand l'apôtre des disciples a parlé de l'évangélisation, il m'était arrivé en esprit. Et comme la kingana makanisi, l'histoire biblique de l'unique éthiopien. L'isolé comme mina katia biblia ya moto azale ko be bomba bomengo ya mboka Éthiopie. Lui, il a quitté Jérusalem pour entrer à Gaza. Ye alongwa ki Jérusalem pe azala ki ko kende na mboka ya Gaza. Il était parti à Jérusalem pour adorer Dieu. Ya kenda ki na Jérusalem pona ko kumisa nzambe. Mais au retour, il ne faisait que lire la Bible. Mais lui, il lisait sans toutefois comprendre. Mais l'Esprit avait demandé à Philippe d'aller à sa rencontre. Lorsque Philippe l'a vu, il a demandé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu lis? Lui, il dit, je suis en train de lire, mais je ne comprends pas absolument. Bon, il a dit, monte un peu dans ma charrette, comme ça, essaie un peu de m'expliquer. Après avoir expliqué très très bien la parole de Dieu. Et il s'est converti sur place. Il a demandé aussi le baptême. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de lecteurs bibliques.
Et il y a aussi beaucoup de personnes qui aillent dans des églises. Mais la plupart des cas, ils ne comprennent rien. Comme nous avons la mission d'enseigner, il faut enseigner tout le monde. On ne peut pas exclure les autres. Si quelqu'un est en dehors de l'église de Christ, il n'a pas encore cru. Nous allons faire un effort pour les faire croire. Une autre chose que l'apôtre dit, ça a épinglé ici. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, il faut pas avoir peur. Même s'il y a des épidémies. Atako babo kono ezali koya. Virus corona, excusez-moi de inverser un peu le nom du virus. Coronavirus. Cela ne peut pas nous faire paniquer. Yangonde te koki ko lengisa lengisa biso. Parce que lui-même, il est à côté de nous. Pwete yemo kwa zali pene na biso. Mais il n'est pas aussi de notre devoir. Esengami na biso pete. De paniquer les autres. Yako lengisa baninga misusu. Tu sais, c'est la mort. Le virus, c'est la mort. Pourquoi paniquer si longtemps que notre Père Céleste est avec nous? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Parce qu'à la connaissance de la cause, nous savions tous que notre Père Céleste est avec nous. Il est ensemble avec nous. Donc maintenant là, pour bien évangéliser, nous devons faire un effort de mieux comprendre ce que nous professons. Si nous sommes amenés à cette connaissance-là, nous allons faire un travail dans les cœurs de nos bien-aimés pour leur dire qu'écoutez, le Seigneur est proche. Écoutez, les apôtres de Christ sont là, ils sont en œuvre. Au lieu de les scandaliser, parce qu'un frère m'a appelé pour dire que oh, pour nous c'est fini. Pourquoi encore l'église? Parce que c'est la mort. Je lui ai répondu tel que l'apôtre dit ce qu'il a dit ici. Il n'y a pas une punition pour nous, loin de là. Dieu seul sait. Mettons-nous aux mains de l'Éternel. Parce que si l'Éternel est pour nous, personne d'autre personne qui peut être contre nous. C'est la raison pour laquelle nous exhortons d'être vraiment en communication, en prière, à tout moment avec notre Père Céleste. Raison pour laquelle notre Père Céleste a fait ce qui est très utile pour nous, le service divin. Que l'Éternel nous bénisse tous et nous protège. Amen. Bien-aimés, nous voulons suivre fidèlement. Et utiliser le temps de grâce que le Seigneur nous donne. On peut même dire pendant ces moments difficiles, c'est un temps de grâce. Dans la semaine qui vient de suivre, pour ceux qui étaient dans la commune de la Gombe, on a trouvé que la situation était un peu plus facile. Ba oyo bazalaki na commune ya Gombe ba monaki ete makambo ezalaki mwa pété. Une certaine liberté a été donnée aux habitants de circuler au sein de la commune. Mwa bonsomi epesa makina ba bazali ko vanda kuna ba ko tambola na kati etando na bango a mabele.
Certains ont utilisé maintenant cette liberté pour faire de différentes choses. Essentiel pour s'approvisionner et prendre ce qu'il faut. Certains, on peut utiliser ces moments pour faire de n'importe quoi, même aller à l'encontre. À nouveau, de se regrouper en grand nombre, ce qui va au contraire et qui mène vers le problème initial. Les autres, malgré cette liberté, restent toujours chez eux de peur ou bien par prudence ou autre chose. Ça nous rappelle ce qu'un apôtre nous a dit des Actes, 3e chapitre, au début. Il y avait un boiteux qui était à la porte du temple. Il a vu les deux apôtres qui venaient. Il regardait vers Pierre avec un certain désir. Pierre comprenait. Il a dit, je n'ai pas de l'or, je n'ai pas de l'argent. Et il lui a donné quelque chose d'important, une guérison. Il était plus boiteux. Et nous lisons après, c'est assez intéressant, dans le verset 8. Il s'est mis avec joie debout, avec un saut. Il sautait, il louait. Puis vers le verset 11, il a suivi les apôtres dans le temple et il ne voulait pas se lâcher d'eux. Avec le pardon de péché, nous avons une liberté. Ce qui nous liait maintenant est délié. Ce qui nous pesait lourd maintenant enlevé. Qu'est-ce que nous faisons avec cette liberté? Nous rentrons à faire n'importe quoi et maintenant se permettre de faire ce qui est contraire à ce que l'enseignement de Jésus nous a dit. Ou bien nous faire replonger dans le péché. Nous pouvons maintenant continuer la vie comme rien n'était. Le boiteux pourrait courir, jouer le football. Je ne sais pas si ça existait ou faire d'autres choses. Il a loué Dieu, il est entré dans le temple, il est resté à côté des apôtres. Avec notre liberté en Christ. Nous voulons aussi louer et glorifier Dieu. Restez à côté. Cherchez cette communion à travers l'apostolat. Et aussi ne pas faire n'importe quoi pour retomber dans cette situation initiale. Dieu nous aide, nous permette d'atteindre et de garder ce niveau. Nous voulons préparer davantage notre cœur avec un cantique de repentance. Mon Dieu,
Ensemble, nous voulons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Lisanga toko bonde la libonde linkolo ekwisa kibiso. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Amen. Merci, cher Père Céleste, pour le pardon que tu nous donnes. Et cette paix qui l'accompagne. Nous ne méritons pas cela. Ce n'est que par ta grâce qui nous tombe et pour lequel on avait grandement besoin. Ça nous met à nouveau dans un état parfait. Communion avec toi, ton Fils, ton Esprit. Du fond de cœur, merci pour cela. Vois notre désir, c'est de ne plus pécher. Aide-nous en cela. Bénis nos frères, nos sœurs. Notre jeunesse, nos enfants. Ceux qui se mettent aussi à l'œuvre. À nouveau, aide ceux qui sont éloignés. Et permet dans l'unité nous puissions aussi avancer malgré cette situation. À nouveau, nous prions que tu puisses aider le pays. D'être à côté de ceux qui nous soignent. De ceux qui se donnent pour assurer notre sécurité sanitaire et sociale. Que tu leur accordes ton aide en ce qu'ils font. Et une protection spéciale. C'est ce que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je sais qu'en ces moments, nous sommes privés de pouvoir partager ensemble la Sainte Cène. Ça crée en nous une nostalgie. Nous subissons ces moments ensemble. Nous prions pour la force pour l'un et pour l'autre. Et nous pensons combien heureux et grand ce serait le moment où à nouveau nous pouvons célébrer et fêter. Nous voulons clôturer le service divin avec une prière finale. Cher Père Céleste, à nouveau, merci. Pour la parole que tu nous donnes pour le pardon. Pour les co-travailleurs, pour l'amour qui nous est démontré. Bénis les offrandes, les sacrifices de ton peuple. Toutes les différents signes d'amour, cher Père Céleste, c'est fait en amour. Que ta bénédiction puisse rester là-dessus. Et que tu puisses pouvoir à nos besoins quotidiens. À nouveau, nous pensons à ceux qui sont malades.
Ceux qui sont en deuil, donne force à traverser ces moments. Que nous restions un avec notre apôtre patriarche. Que tes anges le couvrent, nous couvrent. Jusqu'à ce qu'on puisse se revoir. Que ton fils vienne vite nous prendre. C'est ça notre désir. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bolingo ya Nzambe pe bokanga na molimo monsanto ba kozala na bino banso. Amen. Merci beaucoup chers frères et sœurs. Mais les simingi bande komi bali pe basi. Si Dieu le permet, mercredi prochain. Soki nzamba pe sinzela mokolo amisa to ya poso ezali koya. La chorale peut chanter. Ba yembi bakoko pe sa biso nzembo. Au terre et du bonheur présent.